President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today, the chamber will continue hearing the testimony of Toi Tain and then proceeds to hear two TCW 898 in relation to S21 Security Center. Un rapport avec le centre de sécurité de S21. Mr. Greffier M. Hoy, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Des parties et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Greffier. Mr. President, Monsieur le Président, for today's proceedings, all parties to this case are present. Toutes les parties au procès sont présentes. Mr. Nunchi is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier already, Mr. President. Au greffier, Monsieur le Président. Toi Tain will conclude his testimony today, and this witness has the duty counsel Mung Soo-wan with him. The witness together with the duty counsel are already here. Today there is a reserve witness as well. There is two TCW 898. The witness confirms that to the best of his knowledge, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, Nunchi or N.K. Sampon, or to any of the civil parties admitted in this case. The witness will take a note before the Iron Club statue this morning, and the witness will have the duty counsel with him. Thank you, Mr. President. Le conseil de permanence President. De ce témoin sera de Thank you, Mr. Im Hoi. The chamber now decides on the merci, request Monsieur by Nguyen Chia. The Le chamber président. Has received Monsieur a waiver from Nguyen Chia. La chambre a statué sur la requête de Nguyen Chia. La chambre a été saisie d'un document de renonciation de Nguyen Chia en date du 25 avril 2016, that due to his health headache back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at the 25 April 2016 hearing. His counsel has advised him about the consequences of this waiver, that it cannot in any account be construed as a waiver of his rights to be destroyed fairly or to challenge evidence presented or admitted by this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor for the accused at the ECCCC, dated 25 April 2016, who notes that Nguyen Chia has chronic back pain when he sits for long, and recommends that the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chia's request to follow today's proceeding remotely from the holding cell downstairs via audio-visual means. Par des moyens audiovisuels. Every unit personnel are instructed to link the proceedings to come to the room downstairs so that he can follow the proceedings. This applies to the whole day. And the floor is now given to the legal lawyers for civil parties to put questions to this witness. You may proceed now. Pour procéder à l'interrogatoire du témoin, vous avez la parole. Good morning, Mr. President, Bonjour, Your Monsieur le Président, honorable juge. I am now seeking the floor for lawyer Lau Chun-ti to put questions to this witness. À Maître Lau Chun-ti pour interroger le témoin. Please proceed, lawyer Lau Chun-ti. Maître Lau Chun-ti, vous avez la parole. Lau Chun-ti, thank you, Mr. President. Lau Chun-ti, merci, Monsieur le Président. First of all, very good morning. Morning, Your Honours. Bonjour, everyone honorable juge. Around the courtroom. À toutes les parties et personnes présentes à l'audience. Je suis Lau Chun-ti. I am a lawyer for civil parties. Je suis avocat pour les parties civiles. I am from Legal Aid of Cambodia.
Je Today viens de Legal Aid Cambodia. Opportunity for me to put questions to you, Mr. J'ai une bonne occasion aujourd'hui de vous poser des questions. Good morning, Mr. Toy Teng. Monsieur Toy Teng, bonjour tout d'abord. I am now asking you about your background. Je vais vous poser des questions sur votre passé. The work that you do in that you did in S21. Avant d'aborder le travail que vous effectuez à S21. What level of education did you have? Quel niveau d'instruction aviez-vous? I went to Réponse. Grade 11 in the old Je suis school allée education system. Classe de 11e sous l'ancien système éducatif. Lawyer, thank you. When did you join the army? Question, in which je year vous remercie. Did you join the army? En quelle année avez-vous rejoint les rangs de l'armée? Answer. Réponse. I joined the army in 1973. Je rejoins l'armée en 1973. Lawyer, thank you. You stated that you Merci, joined l'avocat. Vous the avez army dit in 1973. Avoir rejoint l'armée en 1973. What was the reason that made you join the army? Pour quelle raison avez-vous rejoint les rangs de l'armée? Answer. Réponse. I did not know the reason I joined the army. J'en ignore la raison. Elder sibling or relative asked me to join the army Mon frère with him, aîné so I m'a demandé just follow de his joindre, de rejoindre les rangs de l'armée avec lui advice. Et j'ai suivi son conseil. Question. How old Question. Were you when you joined the army? Quel âge aviez-vous lorsque vous avez rejoint Answer. L'armée? Réponse. I was more than 10 years old J'étais when âgé I joined the army. I cannot recall how Lorsque old j'ai rejoint I was. L'armée, je ne me rappelle pas exactement de quel âge j'avais. Oh yeah, thank you. Merci, c'était l'avocat. I am now asking you about S21 when you Je vais worked vous poser des questions sur S21. There. My first question to you séjour, is à ce centre. After you la première question est la suivante. In S21. Rather, who introduced you into S21 or who assigned you to work in qui S21? Qui vous a assigné à travailler ou qui vous a affecté à travailler à S21? Answer. The 50-man unit assigned to me L'unité to work as, de 50 to work hommes S21. M'a affecté at the time, I did not pour travailler know where à S21. I would go or which unit I would, Je ne savais be pas part où j'allais, of. Ni à quelle unité j'allais Lawyer, appartenir. What division merci. Did that 50-man unit belong to? À quelle division, de quelle division relève cette unité de 50 hommes? It was in division Réponse. 12. Cette unité relève de la division 12. Lawyer, thank you. Upon your arrival Merci, at S21, immediately upon your arrival, dès votre arrivée à S21, how many of you went to S21 after you left that division 12? Combien d'entre vous est allé à S21 Answer. Après avoir quitté la division 12. It was only me Réponse. Who went to S21. I cannot J'étais le seul how many of à us être envoyé left à S21. Division 12 and Je ne me rappelle pas combien d'entre nous S21. Avions quitté la division 12 President interrupts. Pour nous rendre Mr. à S21. Lawyer, you do not have much time to ask questions.
to this witness and the additional time provided to you is perhaps around 10 to 15 minutes. And I observe that you do not supplémentaires qui vous ont été accordées. Put fundamental questions to this witness. Des questions fondamentales à ce témoin. Lawyer, thank you, Mr. President, for reminding me. Pour ce so which location did you stand guard after you entered S21? À quel lieu montiez-vous la garde lorsque vous êtes entré à S21? I was posted to the east of the main building. J'étais posté à l'est du bâtiment principal. It was the distance of my location that I work to the main building was about 200 or 300 meters apart. Entre le lieu où je travaillais et le bâtiment principal était 200 à 300 mètres. Question. From the posts or the place where you stood guard, did you station at the main entrance of S21? Est-ce que vous étiez posté au bâtiment à l'entrée principale de S21? Le lieu où vous montiez la garde était-il situé à l'entrée principale de S21? At the main gate leading réponse, to the main je montais la garde à l'entrée principale conduisant au bâtiment principal. Lawyer, thank you. During the time that merci. You stood question. Guard, pendant la période où vous montiez la garde, went into S21? Quel type de véhicule entrait dans S21? Answer. Réponse. I saw the Chinese-made vehicles transporting véhicules de modèle chinois prisoners into the office. Transporter des prisonniers dans le centre. Lawyer. Could you clarify for the court? Question. Was it pouvez-vous donner des précisions were those à la chambre? Were those vehicles a small truck or ces véhicules étaient-ils de petits camions ou de gros answer. Camions? They were big trucks with réponse, six c'était de wheels. Gros camions à six roues. Lawyer, thank you. Merci, were dit prisoners l'avocat. Transported in small question, vehicles? Les prisonniers étaient-ils transportés dans de petits véhicules? Answer. I did not notice that réponse. There may have been a small vehicles je n'ai pas constaté, coming into S21. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait de petits véhicules question. Qui entraient dans S21. Question. Were there on one vehicle? Combien y avait-il de personnes à bord d'un véhicule? Answer. I did not know réponse. How many people were je on l'ignore. Each vehicle, since the vehicle was fully covered. Étant donné que ces véhicules étaient complètement recouverts. Question. After those question. People left the vehicle, so what were their conditions? Après le départ de ces personnes à bord de ces véhicules, quel sort quelle était leur condition, leur état? Answer. I did not see people getting off the vehicles in réponse, the vehicle. Je n'ai pas vu usually arrived des gens sortir inside the compound of des véhicules. That office. So I le véhicule and I entrait did not know jusque how dans many l'enceinte people du centre in one vehicle. Et je ne sais donc pas combien de personnes lawyer, il y avait thank you. À bord during d'un véhicule. The time that you worked at S21, je vous remercie, dit l'avocat. Did you lors de happen votre séjour to know à S21, that prisoners could make an escape out of S21? Que des prisonniers pouvaient s'échapper de S21? Answer: I have never heard that réponse, prisoners je n'ai jamais entendu could make an escape out of S21. Que des prisonniers pouvaient s'échapper de S21. Question. Question. Did you also happen to know that the prisoners or the inmates of S21 avez-vous were jamais su que sent les prisonniers away to ou les be détenus interrogated de and S21 étaient amenés pour être interrogés et torturés? Answer. In relation réponse. To the fact that the prisoners were called out to be interrogated. En ce qui concerne I le told fait the court que already that étaient amenés pour être interrogés et torturés, j'ai déjà dit à la Chambre
And I myself did not know where exactly they were sent to. Mais je ne sais pas exactement. Lawyer, thank you. Ils étaient amenés. In relation to the surrounding area of S21, and you stated that there were houses surrounding S21 as well. Were those houses transformed into holding cells or prisons? In fact, those houses were former residential houses of people. En fait, ces maisons étaient des anciennes and résidences. And those houses were normally the houses of the security guards in the regime. Et ces maisons appartenaient aux gardes de sécurité du régime. Question: did you know that what happened inside those houses? Question: did you have any information? Ce qui se passait dans ces maisons? Avez-vous une quelconque information? Answer: I do not know. Réponse: what was happening inside those je ne sais pas houses. Ce qui se passait à l'intérieur de ces maisons. Comme je l'ai dit, residential houses of people. Ces maisons étaient des anciennes résidences you. The time où vivaient des gens. Were working in S21, did you happen question. To see children and women within pendant votre séjour à S21, avez-vous jamais vu des enfants et des femmes? Answer. Réponse. I have never heard the sound or the cry of children, but je n'ai jamais entendu the cry les cris or des sound enfants, of women. Mais seulement le cri lawyer, ou les cris des femmes. Did you have happen to hear the moaning sound or avez-vous the jamais cry entendu of des grognements from S21 ou since des pleurs you were stationed close de personnes to the détenues à S21 étant donné que vous étiez en poste non loin de l'enceinte, non loin du complexe? Answer. I heard the sound of réponse. Tortured j'entendais and interrogation. Des bruits that is true that I que could produisaient hear les personnes qui étaient interrogées kind of, et torturées. Question: what was the sound like? Question: was the sound à quoi ressemblaient ces bruits? Of, was that sound of insulting sound, moaning sound, or what type of était-ce cry or sound de you could hear? De grognements, de pleurs. Était-ce des voix proférant des insultes? Quel type de bruit entendiez-vous? Réponse: c'était des bruits it was not, et des cris de douleur. Or ce n'était another. Pas des insultes, je n'entendais lawyer, pas d'insultes être proférées. I am now moving to another part question. Of the topic. Je vais passer you à un autre thème. You left S21 and then vous avez dit avoir quitté S21. Pour être réaffecté à Chung-Aik, later on. Qui vous avez affecté à Chung-Aik par la suite? Answer: I went to live and work at Chung-Aik. Je suis allé vivre et travailler à Chung-Aik. Et c'est Him Hui qui m'y a affecté. Lawyer, thank you. Upon your arrival l'avocat, at je vous remercie. À votre arrivée where à Chung-Aik, exactly did you live? Où viviez-vous exactement? In Chung-Aik, there réponse. Is a stupa within the compound of Chung-Aik. So where exactly was your house? Was it to question. The south, to the north il y avait of, un stupa à stupa? L'intérieur de Chung-Aik. Où viviez-vous exactement? Était-ce au nord du stupa, answer. À l'est? De quel côté viviez-vous exactement? The house, the wooden house, had already réponse. Been built. La maison en bois avait déjà été construite. When I was sent to Chung-Aik, lorsque j'ai été envoyé à Chung-Aik, I was told to live in that house. L'on m'a demandé to the west d'habiter of cette stupa. Maison à l'ouest du stupa. Lawyer, thank you.
L'avocat, upon je vous remercie. Your arrival there, were à votre there arrivée, houses of residence? Sur le lieu, y avait-il des maisons ou des résidences? Answer: yes, there were houses where people réponse, lived, but those houses oui, il y avait des were located far away où from des gens. Small hills. Mais ces maisons étaient the houses étaient situées loin des petites collines. To the west and south elles étaient of situées Chiang à l'ouest et au sud de Chiang Haek. Thank you. How l'avocat, many je vous days remercie. Did they keep the prisoners pendant combien before de jours they were sent to be killed? Gardait-on les prisonniers avant de les exécuter? Answer. Usually, réponse. If those people arrive at night time, généralement, les prisonniers arrivaient pendant la nuit on the same night. Et étaient envoyés pour exécution. Lawyer, thank you. During the execution, la nuit même, dans la même nuit. Did they broadcast the music question, over the loudspeaker? Pendant les exécutions, est-ce qu'on diffusait de la musique answer, à travers les haut-parleurs? No. No music was broadcasted réponse. On the over the loudspeaker, non, but usually they par started the generator. Mais en général, ils mettaient lawyer, le générateur thank en you. Marche. L'avocat, je vous what remercie. What were the methods of execution during the time? Quelles étaient les méthodes d'exécution à l'époque? Do you know? Le savez-vous? Answer. Réponse. They used the iron bars to ils utilisaient des barres de fer people. Pour exécuter les gens. Lawyer, what kind of iron bar or what kind of question. Iron did they use? Quel type de barre de fer utilisaient-ils? Answer. Réponse. Those irons, they were the iron axles from the car or the c'était iron bars. Des essieux de charrette lawyer, ou des barres de you. Fer. Regarding the location of the question. Regarding the execution site, how far was it from the house where you stayed? À quelle distance se situait le site d'exécution de la maison où vous viviez? Answer. It depended. Réponse. Some execution sites cela dépendait. Were about 50, certains lieux d'exécution 20 or 100 meters away from the house where I dwelt. À 20, 50 ou 100 President, mètres Mr. Lawyer, de la you maison are running out of time. And où now je vivais. Hand it over to the defense team le temps que vous avez imparti, maître, est terminé. First je vais passer la parole from the defense team à la Mr. défense. Nunchia. You cannot en put commençant par to la défense witness. De Nunchia. Vous pouvez poser la question au témoin, maître. Thank you. La défense. Mr. President, good morning. Je vous remercie, Monsieur le Président. Counsel. Bonjour, honorable juge. Good morning, Mr. Witness. Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions. To put to you. Que j'aimerais vous poser. I understand the measures, but Monsieur le Président, je comprends possible, les like mesures see, de protection, mais si c'est possible, witness, j'aimerais voir le visage du témoin. Est-ce qu'il pourrait se pencher un peu plus vers l'avant? Thursday, I was able to see his jeudi, face. J'étais à même de voir son visage. Thursday, will you change place with the other lawyer? Juge Fenn, est-ce que vous pouvez alterner avec l'autre conseil ou est-ce trop compliqué? Maître Coupé, j'ai mes notes ici et ce serait difficile. Je dis on a pu le faire, je crois que c'est un problème de réajustement, tout simplement. Le Président, oui, vous pouvez voir son visage, huissier d'audience, est-ce que vous pouvez rajuster le rideau pour que Maître Coupé puisse voir le visage du témoin? Yes, thank you very much, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président.
President, please also move le président, the microphone westward. Veuillez également tourner le microphone vers l'ouest. So move it a little bit westward. Monsieur l'huissier d'audience. Once again, good morning, Mr. Witness. Bonjour, Monsieur le témoin. Une fois encore, I would like to ask you some questions this morning. Vous poser des questions ce matin. You gave testimony that you were a member vous of avez indiqué Division 703. Être membre de la Division 703. This division was named Division 703. Avant qu'elle ne soit rebaptisée. Division, division 703, vous apparteniez correct? À la division 12, est-ce exact? Witness, could you repeat your question? Réponse. I could not get it. Pouvez-vous reposer votre question? Je n'ai pas pu l'entendre. Let me rephrase my question and make it je vais more reformuler simple. Ma question pour la rendre plus simple. Lorsque vous avez rejoint la révolution en 1973, étiez-vous devenu un membre de la division 12? I was a part of division 12. Je faisais partie de la division 12. And when you joined division question. 12 in 1973, lorsque vous avez rejoint la division 12 en 1973, at that time 15 years old. Étiez-vous âgé de 15 ans à l'époque? I cannot recall réponse, well je ne m'en souviens pas très bien. I was en ce qui concerne around mon âge, 15 years old at the time. J'avais probablement 15 ans à l'époque. Just to be sure, Mr. Une question pour you être were sûr. Born in 1958. Monsieur le témoin, vous êtes né en 1958. Est-ce exact? The actual year that réponse. I was born is 1959. En fait, je suis exactement né en 1959. Can you clarify, question. Why in your pouvez-vous éclaircir ce point pour la Chambre? Pourquoi, dans votre PV d'audition, year of birth, 1958? Vous avez donné 1958 comme étant votre année de naissance? Answer. Réponse. During the time that the written record of the interviewed, I may have told à the investigator that I was born établi, in 1959. I did not tell lie to them. J'avais dit aux enquêteurs que j'étais né en 1959. Je ne me souviens pas leur avoir dit de mensonge. When you joined Division 12, question. Did you first lorsque become vous avez a rejoint member la Division 12, a group of so-called 12-year-old combatants, aviez-vous fait partie d'une unité appelée unité des combattants âgés de 12 ans? Yeah. Answer. Réponse. I joined the group which was assigned to carry the packet rice to the battlefield. Qui était chargé d'apporter les ravitaillements en riz sur le champ de bataille. Were you still a member of question. Division 12? Était toujours membre de la division 12 en avril 75 à la libération de Phnom Penh. Yeah. I remained to be part of that division until the fall of Phnom Penh. Jusqu'à la chute de Phnom Penh.
Question. Dois-je donc comprendre que même quand vous avez été envoyé travailler à S21, vous y étiez encore membre de la division 703? Réponse. I'm not sure about that. Je ne sais pas bien. Can you explain? Question. If you can, why you're not sure about this? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne savez pas bien? Vous venez de dire avoir été membre de la division 703 jusqu'à la chute de Phnom Penh. When you were assigned, quand vous avez été envoyé travailler comme garde, nobody tell you you had personne moved to another ne vous a-t-il regiment? Dit que vous aviez été transféré dans un autre régiment? I would like to seek your apology because my memory Excusez-moi. Does not serve me well. J'ai des problèmes de mémoire. I cannot recall it clearly above. Je ne m'en souviens pas bien. Transfer from Je ne me one souviens place plus to bien another. De mon transfert d'un endroit à un autre. Can you recall what you did? Question. Between April 75 entre avril 75 and the moment you were sent et le moment où vous avez été envoyé travailler à 21 comme garde, vous souvenez-vous exactly? ce que vous avez fait? Before I was sent to Réponse. S21, avant d'être envoyé à S21, I remember that I did farming. D'après mes souvenirs, je me consacrais à des tâches agricoles. But I could not recall the exact place where I did rice farming. Mais je ne sais plus exactement où j'ai cultivé du riz. La défense. Refresh your memory Essayons in this respect, de vous Mr. rafraîchir la mémoire. Mr. President, E3/7663, c'est le premier WRI, PV d'audition du témoin, en Khmer, 0016-3776, French 00401-841, and English 00401-836. 401-836. Mr. Witness, let me read Je vais to vous you donner lecture you de vos déclarations recueillies par les enquêteurs. After 17 April 75, Après le 17 avril 1975, ils m'ont envoyé cultiver du riz près de Aubekam. À l'époque, I was in battalion je faisais partie 31 du bataillon 31 de la division 12. After that, Ensuite, they had me stay at ils m'ont envoyé Chak-Angray. À Chak-Angray. And do Ils the rice farming at Prek Samrong, Samrong, at Bung Tumpun, Bung Tumpun and later at Stung Prek Thnaut. Around the beginning Vers of 78, they sent me to work at S21. Ils m'ont envoyé travailler à S21. And the chairman of the unit of 100, de company Nang, was the la person who sent Nang me there. And qui m'a envoyé, qui m'y a envoyé. Fin citation. Is that Correct what you told the investigator? Est-ce que ces déclarations sont véridiques? Réponse. My statements given to the investigators were clear. Ces déclarations sont claires. And that statement were clear for what I
just mentioned to you that I could not recall things well a little earlier. I would like to seek your apology. Et comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens pas bien de tout. Losing of some mes memory. Excuses pour ces problèmes de mémoire. That's no problem at all, Mr. Witness. Aucun problème, Monsieur le témoin. It's a long time ago. Cela remonte à bien longtemps. Did you do anything else than rice farming à part in those years? La riziculture, vous êtes-vous consacré à quoi que ce soit d'autre au cours de ces années? I did not do anything else. Non. Before you were sent to guard at S21, avant d'être envoyé travailler comme gardien à S21, have a commanding function. Aviez-vous des fonctions de commandement? Êtes-vous jamais devenu chef d'unité, par exemple? Ou avez-vous jamais occupé des fonctions plus élevées dans la hiérarchie? At S21, réponse. I was not holding any commanding position. Je n'occupais aucun poste de commandement. I was simply an ordinary guard under the supervision. J'étais un gardien ordinaire placé sous la supervision de Hui. You said in your WRI that dans le PV d'audition, il est indiqué que vous avez été envoyé à S21 vers le début de l'année 1978. Now I would like you to think really very well, if it is indeed veuillez 78, bien y réfléchir. Est-ce effectivement à cette date que vous avez été envoyé là-bas? Quelques moments pour tenter de vous rappeler si c'est effectivement début 78 qu'on vous a envoyé à S21. Réponse. I cannot recall it well. Je ne m'en souviens pas bien. But I would like to tell you that my statement that I gave during the interview were clear. Que ce que j'ai dit au cours de mes auditions est clair. Now. Mais à présent, je ne m'en souviens pas bien. I understand. La défense, je comprends bien. Rephrase my question and maybe, je vais reformuler ma question. Formulated like this, you'll be able to answer that question. Dans l'espoir que vous puissiez y répondre. Were you sent to S21 before? Avez-vous été envoyé à S21 after avant your cousins, ou après? Oktem and Oksaroon were arrested. L'arrestation de vos cousins Oktem et Oksaroon. I remember réponse. That I was sent to S21 d'après mes souvenirs, j'ai été envoyé à S21 avant cousin. L'arrestation de mon cousin. Do you recall how many months before their arrest? Combien de mois avant leur arrestation avez-vous été envoyé à S21? Non. Réponse. I cannot recall. Je ne me souviens pas or how many days. Du nombre de mois ou de jours. I cannot recall the exact months it happened. Je ne sais plus exactement quel mois c'était. Last Thursday. Question. Jeudi dernier. The prosecutor showed you l'accusation a prisoner's list, vous a montré une liste de prisonniers with two names on them. Comportant deux noms. One was a document. Document E3/2274. 2274. And on that list, dans seen cette on liste, the number 37, Oksaroon, le numéro 37, c'est Oksaroon, membre de l'hôpital P98. And,
The other cousin, l'autre cousin, who is on a list of prisoners from the general staff, une liste de prisonniers de l'état-major, c'est le numéro 17 au document E3-2026, c'est Uktem, président du bureau 66. If I understood you correctly, you confirmed, si je vous ai bien compris, vous avez confirmé que ces deux personnes dont le nom apparaît dans ces listes étaient effectivement très probablement vos cousins. Both of them, according to this list, d'après cette liste, ces deux personnes ont été arrêtées au mois de septembre 1977, More specifically, the 25th of et plus précisément le 25 septembre. Now, you said, you entered, vous dites or rather, you started working for S21 avoir commencé before à travailler they were arrested, à S21 avant leur arrestation. Then you would agree with me, you autrement were dit, you were, cela veut dire S21, or you started working que vous avez commencé à travailler 1977, à S21 correct? Avant le 25 septembre 1977. Est-ce exact? Réponse. I would like to seek your apology again. Encore une fois, je vous présente mes excuses. Cannot recall the exact date. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle j'ai commencé à travailler S21. Now let me la défense. Go back to something you said last revenons Thursday, à ce que vous avez dit jeudi dernier dans ce prétoire. But to something that you also said, il s'agit aussi de ce que vous avez déclaré au BCJI. E3-763 Ankhmer 0016 3777 en anglais 00401837 et en français 00401843. Avez-vous jamais été envoyé travailler dans d'autres unités? Et ensuite vous répondez comme suit. I was transferred to farm rice. On m'a envoyé cultiver du riz à Tresor parce que j'avais été mis en cause, mon cousin Uktem ayant été chef d'un régiment et ayant été arrêté. Uksovan et Uksarun étaient ses frères, c'étaient des infirmiers à l'hôpital P98 et ils ont été arrêtés par la suite. Fin de citation. Is that a correct statement? Est-ce une déclaration exacte, monsieur le témoin? You were sent to Preissart. Vous avez été envoyé à Preissart you were implicated parce que by vous avez Uktem, été Uksovan dénoncé Uksovan. Par Uktem, Uksovan et Uksarun. Réponse. I was sent to Preissart. On m'a envoyé à Preissart. It was not my two brothers who implicated me. Ce ne sont pas mes deux frères they sent qui m'ont me to dénoncé. Preissart because j'ai été envoyé à Preissart. They was aware of my biography. Parce qu'ils connaissaient ma biographie. That were related to my cousins. À savoir que j'avais ses cousins. I do not think that the two of them je ne pense pas qu'ils m'aient dénoncé dans leurs aveux. But, la défense. Would it be fair to say cela étant, that is speculation because peut-on dire you que ce sont des suppositions what they stated in puisque their vous ne pouvez pas savoir ce que ces gens ont dit dans leurs aveux? Réponse. I was not told that Uktem or Uksovan implicated me. On ne m'a pas dit si Uktem ou Uksovan m'avait dénoncé. I only knew that tout ce que j'ai su when I was removed from my unit, c'est que lors de mon transfert, I thought that I
It was because of Je me suis my dit relationship que ça devait être à cause de mon lien de parenté cousins. Avec ses deux cousins. I'll La get défense. Back to that, J'y reviendrai. Shortly, Mr. Witness. Dans in quelques that same instants. WRI, Dans the même next page document, you à la page suivante, what you had to do vous at décrivez Pre-SAR, vos affectations après SAR. That is just the next page in that same document, C'est la page Mr. President. Du même document. You said at Pre-SAR they had us farm rice, build dike and deep canal. Du riz, on construisait des digues et un canal. Les gens qui y séjournaient avaient commis des actes immoraux et avaient certaines tendances politiques dès lors que leur famille comportait par exemple des soldats de l'ONOL. C'était un site où l'on forgeait les gens et ensuite vous nous dites que vous travaillez de l'aube jusqu'à midi, etc. Vous décrivez le nombre de repas pris après SAR. Est-ce que ces déclarations sont exactes? Réponse. The works at the site was for tempering the Il s'agissait people. Sur place de forger les gens. They gave us rice to On eat nous donnait du riz during lunch and gruel au to déjeuner eat in the evening. Et de la soupe de riz en and soirée. We were assigned to work All day long. Nous devions travailler toute la journée. Question. So you were tempered Autrement dit, Pre-SAR, vous avez été forgé à Pre-SAR. Possibly because of the implications peut-être of, in the confessions of your cousins, à cause but you don't know for sure now. Des aveux de vos cousins, mais vous n'en êtes pas sûr. But is it correct that you were at Pre-SAR until Phnom Penh was liberated in 1979? Avez-vous séjourné à Pre-SAR jusqu'à la libération de Phnom Penh en 1979? Réponse. I remained at Pre-SAR Je suis resté à Pre-SAR until the liberation. Jusqu'à la libération. Question. Now let me discuss a document and let me show you this document Je vais but before vous I show you this document, Mr. Witness, it's a bit difficult question but do you know un peu whether difficile. There were any other Mais savez-vous guards or S21 si workers il y avait d'autres gardiens who were 19 years old ou like you de S21 and qui who were avaient called, 19 ans comme vous not Taiteng, but Tuiteng. Et s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Tuiteng et non pas Taiteng. I did not pay my attention to this. Je n'ai guère fait attention à cela à l'époque. Mr. President, I'm going to be Monsieur using document E3/844. It seems to be a Apparemment, prisoner list. Il s'agit d'une liste de prisonniers. And under paragraph F, au paragraphe F, which is called offices surrounding the general staff, à savoir les bureaux autour de l'état-major. En position numéro 15, il y a la mention d'une arrestation d'un ancien combattant de S21, un dénommé Tuiteng. If you have a look at the OCIJ list, Veuillez vous pencher sur la liste du bureau des co-juges d'instruction number, à l'entrée numéro 6586. On voit apparaître again, le même nom, Tuiteng. Arrested. Une personne arrêtée on the 14th of October, le 14 octobre 1977, which is about three weeks soit environ after the arrest trois of his semaines après l'arrestation des cousins. Now, for the benefit of the parties, we have tried to À l'attention des parties, nous avons essayé the OCIJ document.
de déterminer sur quoi se fondait le document du BCJI, ou cette entrée plus précisément. Et voici ce que nous avons constaté. Dans le répertoire S, il y a une liste de noms qui n'existent qu'en Khmer et qui semble coïncider avec le document en ERN cité dans l'entrée pertinente du document du BCJI. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, j'aimerais montrer la version Khmer du document E3-844 au témoin et j'aimerais lui demander si effectivement c'est son nom qui y apparaît. President, your request is granted. Le Président, vous y êtes autorisé. Mr. Witness, is that your name? La défense. Est-ce votre nom? Oui, mais... It is not my name. Ce n'est pas mon nom. I agree that the given name is Teng, just like my name, but the difference is the surname. Teng. Le prénom est le même, mais il y a une différence dans le nom de famille. La défense. I understand there is a difficulty with pronunciation. Je comprends bien que parfois la prononciation pose problème. Duyk was asked about you as well. Duyk a été interrogé à votre propos également. In the English version of the transcript, dans la version anglaise de la transcription. Il vous désigne comme étant Toi Teng et non pas Tai Teng. Toi Teng et Tai Teng. Toi Teng et Tai Teng. Est-ce que les deux noms se ressemblent fort? Sorry, counsel, how does pronunciation come in if he reads it? Understand he's reading the name, so how does pronunciation come in? Ce qui compte, c'est de savoir comment il va lire le nom, peu importe votre prononciation. La défense. Nous avons une liste de S21 et on y trouve la mention d'un dénommé Toi Teng. J'ai essayé de retrouver un document que je n'ai pas retrouvé, c'est la déclaration faite par Duyk dans le prétoire, et en anglais, on trouve le nom de Toi Teng. La juge Fens, il nous faut la référence, la défense. Je vais vous la donner. Et Monsieur le Président, pendant que notre confrère cherche, si on pouvait avoir également la référence en Khmer pour que nos confrères vérifient également en Khmer la façon dont Deutsch a parlé de cette personne. The manner in which Deutsch spoke in Khmer as well. The document Maître Koppe, that I was referring to where Duyk calls him Toi Teng. Le document où Duyk appelle cette personne Toi Teng, c'est E3-5805 à 10h52 du matin. Let me maybe rephrase my question. Je vais reformuler. Mr. Witness, Monsieur le témoin, we all know you as Tai Teng. Nous vous connaissons tous sous le nom de Tai Teng. Was your name sometimes mispronounced as, est-ce que parfois votre nom était mal prononcé et est-ce qu'on prononçait Toi Teng à l'époque? Réponse. Do not accept this name.
as my name. Je ne reconnais pas ce nom comme étant le mien. Because during those days, I used my name. J'utilisais Di Teng. Mon nom Di Teng. And later on, during the par la suite, state of Cambodia, said the witness, I changed my name from Di Teng to Toi Teng. À l'époque de l'état du Cambodia, mon nom est devenu Toi Teng et non plus Di Teng. Oui. Le président, the floor allez-y. Is given to the lead lawyer for civil party. Maître Pik Ang. President, I look at this Monsieur le Président, je me suis référé à la transcription that gave the testimony de la déposition de Doik. In Khmer version, en Khmer, his testimony, the name in the testimony le was cité, like what the witness said, but in the English version, eh bien, the pronunciation of the name témoin, was like what Counsel Victor Coppé just mentioned. Dans la transcription anglaise, on retrouve bien le nom cité par Maître Coppé. President, le président. Now, Counsel Victor Coppé, Maître you can Coppé. Proceed. But I would like to tell you that in the Dutch testimony, in the Khmer version, he used the name Duyk utilise Toi Teng. Le nom de Toi Teng but in the dans English la transcription version, en Khmer. Pronounced as dans la version anglaise, Teng. C'est devenu Toi Teng. I understand. Maître Coppé, je comprends bien. I understand also your answer, Mr. Je comprends aussi votre réponse, Monsieur le Témoin, selon laquelle vous n'acceptez pas ce nom comme étant le vôtre. D'où ma question précédente, à savoir, est-ce que vous avez jamais connu une personne ayant presque exactement le même nom que vous, qui avait également 19 ans, une personne qui, comme vous, travaillait aussi comme combattant ou gardien à S21. Connaissiez-vous une personne portant ce nom? Réponse. I haven't heard. Non. About it. Le président, counsel, maître. In the document that we receive, it's in document that we received dans le document at que nous avons number reçu, 15, the name of the combatant au numéro 15, Toi Teng was le nom du combattant Toi Teng unit D. Apparaît comme ayant appartenu à l'unité D de S21. That could very La well défense. Be. C'est bien possible, says, mais the general chapter or paragraph, if le paragraphe général ou le chapitre général concerne les bureaux entourant le siège de l'état-major, which is the same, more or less the same. Il s'agit plus ou moins name as used in du même nom que celui utilisé dans le document E3/2026 concernant Octem, qui se trouve dans une liste staff. De prisonniers de l'état-major. Now let's leave aside whether you are indeed the same person. Pour l'instant, oublions la question de savoir s'il s'agit bien d'une seule et même personne. It is still correct, isn't it, mais Mr. Witness, il n'en reste pas moins exact, Monsieur le Témoin, after the arrest of your qu'après l'arrestation de vos cousins. You were sent to Preysar, vous avez été envoyé à Preysar pour y être forgé. Preysar, et vous étiez à Preysar when the Vietnamese arrived. Lorsque les Vietnamiens sont arrivés. Yes, that is correct. Réponse, oui, c'est exact. Now, can you explain question. To the chamber how it came about that
Pouvez-vous expliquer à la Chambre comment elle se fait que pendant que votre caractère était forgé à Présar, pendant que vous effectuez des travaux à Rassan, vous avez été amené de Présar pour travailler à Chang'et comme chef de l'unité chargée des exécutions. I worked at Chang'ek. Réponse. First. J'ai d'abord travaillé à Chang'ek. Before my transfer. But at avant d'être transféré. I was not involved in the killing. I was Mais je ne participais pas aux exécutions à Chang'ek. J'étais uniquement chargé de creuser des fosses. But when was it then that Question. You worked at Chang'ek? Quand aviez-vous donc travaillé à Chang'ek? I cannot recall it. Réponse. Je ne m'en souviens pas. And the year that I worked at Chang'ai, je ne me souviens ni du mois ni de l'année My memory is not auquel good je travaillais since à Chang'ai. I have mental memory problem, j'ai des problèmes because, de mémoire staff dropped onto my head and sometimes I à have cause dizziness. Des objets qui m'étaient tombés sur la tête Now à l'époque recall, et je souffre d'étourdissement. En question. In the case against, vous vous souvenez, monsieur le témoin, que dans le dossier de Duik, il y a eu une reconstitution de la scène de crime à Chang'ek. Im Hoi, well. Duik et vous-même étiez présents. Vous en souvenez-vous? I can recall that I also joined the reenactment and gave the description together with others at that location. Et j'ai donné une description, tout comme les autres personnes, au lieu indiqué. Question, l'une des choses in the report, and qu'a rédigé the president document P3/5764, the same paragraph for all. Le court juge d'instruction, document 5764. It says witness Teng Tang. Teng Tai was somewhat disoriented by the changed surroundings. Désorienté. Do you remember being disoriented when you arrived at Vous rappelez-vous avoir été désorienté lorsque vous êtes arrivé à Chang'ek pour la reconstitution? I do not recall whether at the time I was disoriented. Je ne me souviens pas si à l'époque j'étais désorienté. Now in that same document, Mr. Witness, on the 5.3, le document se terminant par 5.3, the judges wrote down that witness Teng Tang, le juge ont écrit, le témoin Teng Tai a dit identifying exact locations qu'il avait des difficultés à identifier because the trees have since grown much les lieux, précisément les lieux, car les arbres Now, avaient grandi depuis lors. But did you have difficulty, Mr. Witness, identifying Aviez-vous des difficultés à identifier le lieu précis, Monsieur le témoin? You mean the exact location when I was at Chang'ek? Réponse. Vous voulez parler du lieu précis lorsque je me trouvais à Chang'ek? I can recall the location, the exact location, je me souviens très the bien wooden de ce house lieu. Where I was stationed Il y avait la at the time. En bois.
There was j'étais posté à l'époque. No such a disorientation. Et je n'étais pas du tout désorienté. Do you have any explanation to question. Offer as to why? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? The judge thought you were. Les juges. Not only disoriented, but that you also had difficulty identifying the exact location. Mais vous aviez des difficultés à identifier le lieu précis. Je ne vous demande pas d'émettre des suppositions. Convince us why this is not asking for speculation. Veuillez nous convaincre en quoi votre question ne consiste pas à demander aux témoins d'émettre des supputations. Maybe in your head at the la défense. Time, when you were there, Mr. Witness, that from which others would. Was there anything happening to you while you were there, Mr. Witness? Lorsque vous étiez là-bas, se passait-il quoi que ce soit dans votre Mr. tête? L'accusation. I just think this needs to be put in context. I mean, the judge did make the observations that cette question doit quoted, être prise en contexte. But juge after saying he was somewhat disoriented, he said he did identify the area where the wooded shack stood then. Le juge a précisé qu'il avait identifié la maison en bois, que le générateur était situé non loin, et cet abri pour générateur est encore là. Nous n'avons pas ici l'image de quelqu'un qui ne reconnaît pas du tout le lieu. En mis en contexte, on constate que le témoin hésitait, mais pas qu'il était complètement désorienté. Maître Copeux, je serais d'accord avec ces observations, sauf qu'il s'agit ici d'une reconstitution. Nous avons 5 à 6 témoins présents qui ont tous identifié le lieu, de sorte que le témoin pouvait entendre ce qu'il disait et ce qu'il identifiait. Et s'il avait été seul avec le juge, ça aurait été différent. Mais vous pouvez regarder les vidéos, il y était avec un grand nombre de personnes, un grand groupe, le document ne le dit pas. Mais lorsqu'il a décrit à son tour le lieu, est-ce qu'il l'a spontanément décrit le lieu en premier ou il est intervenu après les autres? Juge Fentz, veuillez ne pas plaider. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris votre dernière question, à savoir que se passait-il dans votre tête lorsque vous étiez là. Je crois que vous devez être plus précis. J'ai voulu lui poser la question, mais ce serait faire des supplications. J'ai essayé de demander et témoin pourquoi il pensait, pourquoi selon lui les juges auraient écrit, auraient fait cette déclaration. Monsieur le témoin, étiez-vous désorienté parce qu'il faisait chaud ce jour-là ou parce que vous ne portiez pas vos lunettes comme l'a suggéré la juge, parce que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, parce que vous aviez passé une mauvaise nuit? Y a-t-il une quelconque raison pour laquelle vous auriez été désorienté? Witness. My apology, counsel. Réponse. During the time, I did not make myself clear. Je n'ai peut-être pas été assez clair. However, I stand by what I said in that document. And I can say that sometimes my memory is not good and I did not make it clear for some particular points. Peut-être pas été clair. President interrupts. Now it is time for the break. The court will take a short break from now until 10:30. Court of the peace assist the witness during the break time in the waiting room and please invite him back into the courtroom together with the duty counsel at 10:30. And please ensure that you, court officers, implementing the protective measure that the witness should, the curtain should be drawn closed first before the witness leave the courtroom. Le you can take the break now. L'audience est suspendue.